17세기 프랑스 작곡가 장 바티스트 룰리. 그가 무용곡 합주에 플루트를 편성하면서 플루트는 프랑스에서 다른 악기에 비해 유난히 인기가 높았습니다. 독일과 함께 유럽 플루트의 양대 산맥으로 불릴 만큼 뛰어난 플루티스트들을 많이 배출해왔죠. 흥미롭게도 이 프랑스어 특유의 발음법은 플루트 주법을 익히는 데 도움이 된다고 하는데요. 오늘 클래식 오디세이에서는 프랑스 플루트의 계보를 잇는 중견 연주가를 초대했습니다. 바로 조제 다니엘 꺄스텔롱이 그 주인공인데요. 리옹과 제네바 고등음악원 교수를 거쳐서 지금은 스위스 로잔 음악원의 교수로 재직하면서 독주 그리고 실내악 또 오케스트라에서 다양한 활동을 하고 있는 연주가입니다. 함께 만나보시죠.
프랑스에서 주로 플루트 명 연주자들이 많이 나오는 걸로 알고 있는데요. 그 이유가 뭐라고 생각하세요? Alors, je dirais que les explications sont assez multiples. Principalement, depuis maintenant un peu plus d'un siècle, il y a une école qui s'est installée avec au départ des facteurs de flûte, ce qu'on appelle les facteurs de flûte, ceux qui font les flûtes, flute makers, comme on dirait maintenant, surtout qu'il y a beaucoup de fabriques aux États-Unis pour les meilleurs. Et cette industrie, pratiquement, a suscité tout un tas de vocations. Mais évidemment, ce n'est pas la seule raison. Il y a eu l'arrivée de nos amis Debussy et Ravel, qui ont tellement bien écrit pour notre instrument, et qui ont fait que c'est devenu un instrument très français. 훌륭한 솔리스트가 동시에 훌륭한 오케스트라 단원도 될 수 있다고 생각하시는지 궁금해요. Pour moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup les étiquettes. J'entends par là, souvent le, ça arrange un petit peu tout le monde de dire tel musicien c'est un professeur, tel autre c'est un musicien de chambre, tel autre musicien c'est un musicien d'orchestre.
Celui-là, c'est un grand soliste. Mais pour un flûtiste, de toute façon, c'est très difficile d'être seulement un soliste, seulement un concertiste. Parce que pratiquement, je ne sais pas, il y a 4-5 flûtistes dans le monde qui pourraient seulement vivre en donnant des concerts. Tous les autres, ils doivent faire soit un peu d'orchestre pour vivre, soit un peu d'enseignement, soit quelque chose. Donc, ça serait, je pense, une fausse route de chercher à être seulement un soliste. Mais pour ma part, je dois dire que c'est justement ce que j'aime, ce qu'on appelle l'éclectisme en musique, c'est-à-dire mon grand plaisir, c'est de passer de la sonate pour flûte, alto et harpe de Debussy, typiquement musique de chambre, à pourquoi pas un concerto de Mozart quelques jours après. Et puis, entre les deux, je vais enseigner un petit peu avec des étudiants qui sont passionnants. Et tout ça fait que ça nous enrichit. Et j'aime pas tellement l'idée qu'on soit seulement... Quelqu'un qui joue bien, à mon avis, il est capable de faire un petit peu tout ça.
바로코 시대 음악부터 또 현대곡까지 연주폭이 무척 넓으신데요. 그렇다면은 어떤 특정 사조의 연주가로 불리는 건 좀 꺼리시는 편인가요? J'ai pas tellement envie de choisir. Si par exemple on aime vraiment bien les bonnes choses pour manger, par exemple, j'imagine qu'on peut pas manger seulement le dessert parce qu'on aime plus le dessert. Et on ne va pas seulement manger l'entrée ou la viande. Ce qui est magnifique, c'est de manger un petit peu tout ça. Donc personnellement, j'aime la musique dans toute sa largeur et dans toute sa profondeur, depuis la musique très ancienne jusqu'à la musique très contemporaine. Je joue parfois la musique avec ordinateur, j'ai déjà fait, et c'est absolument passionnant. Donc je n'ai pas envie de choisir. Alors évidemment, si on se spécialise, par définition, on est plus pointu, plus précis, on connaît encore mieux puisqu'on ne fait que ça. Mais je pense que ça nous enrichit beaucoup de faire le plus possible. 주로 어떤 때 자신의 연주에 만족하시는지 궁금해요. Souvent, j'envie beaucoup les jazzmen parce qu'ils viennent sur scène et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais ils sont sûrs qu'ils ne peuvent pas se tromper parce que ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils auront décidé, donc c'est bien. Alors, bien sûr, ils n'ont pas toujours l'inspiration aussi géniale, mais disons, il n'y a pas... Ce qui est souvent notre peur, ce qui nous donne une pression, c'est que nous, on a un texte très précis et que si on sort de ce texte, si on le joue en faisant des fautes, des bêtises, ce qui est vraiment assez facile quand la partition est très difficile, on fait facilement des bêtises. Du coup, on a cette pression. Quand on est content, c'est que... On a réussi à faire quelque chose de vivant et que on a l'impression d'avoir fait passer un message à travers ce qu'on a joué. Mais bien sûr qu'on espère avoir pas trop raté de choses parce que si on rate trop de choses rapides ou je sais pas, la qualité de son moins belle, évidemment, on est malheureux. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre entre une chose assez propre instrumentalement et en même temps un discours musical charmant, séduisant, passionnant, tout ce qu'on veut.